On va se croiser tous les matins. Putain! Ça me casse les couilles. J'arrive quand même pas à continuer de courir, ça me saoule. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Yo, comment ça va les amis? Moi, ça va nickel. Il est 8h09 du matin, jour 1 de ma transformation physique. Ouais, je suis éclaté au sol, je n'ai aucune motivation, ça me casse les couilles. Vraiment, hier, j'étais motivé de ouf avec Enzo. Et là, me retrouver tout seul comme un connard, je suis pas motivé, il va falloir que ça change. Donc, j'ai téléchargé son programme qu'il m'a donc envoyé. Et ça, ça fait plaisir. Il y a toute une explication sur la musculation, les notions fondamentales. Une partie sur l'alimentation et les bases. Une partie sur les échauffements. Ensuite, voilà, il y a première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Genre, il fait 45 pages, tu vois. Ça, c'est le programme... ouais, bah, alors du coup, il y avait rien qui se chargeait, mais... Tout ça, c'est le programme pour 30 jours sans matériel, quoi. Hein. C'est super intéressant, j'avais un petit peu regardé, voilà, qu'est-ce qu'une série, le temps de repos, la musculation, comment gérer son amplitude, etc. C'est méga intéressant. Et bon bah voilà, moi de toute façon je suis pas du tout calé, donc forcément je ne fais que d'apprendre des choses. Mais enfin bon, ça reste quand même assez intéressant je pense. Première semaine, réveil cardiovasculaire. Oh putain. Le premier jour c'est 20 minutes de cardio, donc je vais courir pendant 20 minutes. Et le deuxième jour c'est une demi-heure. Et le troisième jour ça commence à être très relou. Mais au moins là il faut que je profite des deux premiers jours, tu vois. Allez, c'est parti, on est parti pour 20 minutes. Alors là vous allez vous foutre de ma gueule. Regardez le temps qui me reste, je suis déjà au bout de ma vie. Bonjour. Bonjour. Et en vrai je suis trop content, ça fait 5 minutes que je cours sans m'arrêter. J'étais au bout de ma vie au bout de 2 minutes. Et là, je me sens bien. Et vous pouvez être sûr que je joue le jeu. Hein. Je fais pas genre que je cours parce que je filme ou quoi. Hein. Certes, ça me motive à courir le fait de filmer, tu vois. Mais quand je coupe la caméra, croyez pas que je marche. Hein. Ça va vite en vrai le temps que je parle. Il y a 2 minutes qui se sont écoulées. Ah, je crois que je me suis mis dans la merde. Ok. Ce serait dommage de se casser quelque chose le jour 1 quand même. Ça passe. Plus que 10 minutes. C'est quoi ça? Dédicace à mon prof de sport qui a jamais réussi à me faire courir. Plus que 4 minutes et je commence à dégouliner. Je lâcherai rien. Ah, je m'en bats les couilles, c'est le premier jour, je lâche rien. Oh, je suis trop content les gars. Oh sa mère. Oui, oui. Ah non, je redémarre pas. Hein. Ça peut paraître pas grand chose pour vous, mais moi j'ai toujours été habitué dans mon confort, bah déjà à ne pas courir. Et si je cours, allez, c'est 5 minutes, je fais une pause, je recours, je refais une pause, et au total ça dure 10 minutes. J'admire déjà ce programme, bah parce qu'en fait je veux travailler, en fait c'est pas bien, mais je veux vraiment travailler mes bras, mes pecs et tout, tu vois. Mais comme Enzo. Nous l'a appris, ben forcément, et je pense que vous le savez, mais faut pas se focus sur quelque chose en particulier, il faut tout faire. Ce programme m'oblige à courir, alors que j'avais pas spécialement envie de travailler mes jambes. Mais au moins, je le ferai, et c'est nécessaire, et c'est un tout, quoi. Faut que ce soit un ensemble. C'est vrai, il y a ce moment de satisfaction, où tu te dis, ça y est, c'est fait, là. Tu vois, genre là, j'ai tout le reste de la journée, je vais pouvoir travailler paisiblement. Mon sport, il a déjà été fait. Jour 2, 8h10. Bienvenue. Faut savoir donc que hier j'avais déjeuné, donc il faut pas sauter le déjeuner, hein, Enzo m'a dit. Donc j'avais déjeuné un café et un petit bout de... je sais plus quoi, c'était chez ma copine. Mais c'était un petit bout de brioche quoi, on va dire, voilà. J'aurais pu me permettre de manger plus, bien évidemment. Et le soir j'ai bien mangé, mais je me suis permis de prendre du fromage. J'avais remarqué un truc en fait, maintenant que j'ai compris comment ça marche, les protéines, les glucides, etc. J'avais regardé sur la boîte de fromage les glucides. Ça c'est les trucs à faire attention. Dans mon cas... je peux en prendre, il faut pas les enlever, mais attention quand même, mais je peux en prendre. Et en fait c'était écrit trace. Je savais pas ce que ça voulait dire, j'ai cherché sur internet et j'ai vu qu'apparemment ça voulait dire qu'il n'y a pas trop de glucides. Donc j'avais demandé à Enzo
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup? Du coup, c'est-à-dire que le fromage, en fait, je suis pas obligé de le couper complètement. Alors, je vais quand même pas être con et je vais quand même me tenir à mon plan. Le matin, prendre un café et du fromage. Comme ça, le midi, je prends un seul bout de fromage. Et le soir, j'en prends pas du tout. Je vais quand même me tenir à ce plan pour pas que ce soit trop une addiction. Déjà que c'est quand même pas mal une addiction. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, petite voix off, juste pour dire que, ok, j'ai zéro flow et que j'ai grave du mal à faire correctement l'échauffement, on est bien d'accord. Mais à l'heure où je vous parle, je suis refait parce qu'en fait, au fil des jours, bah, je vais m'améliorer, que ce soit pour faire les pompes, les squats, même l'échauffement au niveau du talon-fesse et du monté de genoux. Et ça, je trouve que c'est vachement agréable de voir comment je pars et voir à la fin comment je vais mieux m'en tirer en tout cas. Donc profitez-en pour vous foutre de ma gueule, mais soyez indulgents quand même. Dans quelques temps, ça va changer et j'espère qu'une bonne transformation va se faire, quoi. Échauffement terminé. On va passer à l'étape, je crois, la plus difficile pour moi. Une demi-heure de course. Enfin, de course. Ouais, on s'est compris, hein. Tranquille, hein. Allez, let's go. Vous savez ce qui est déprimant? Quand tu crois que ça fait 10 minutes que tu cours alors que ça fait que 5 minutes. Si j'ai bien compris dans le programme, du coup, ce qui est assez sympa, c'est que normalement, si je dis pas de bêtises, comme dit, je crois pas qu'il y ait de jour de repos. Mais l'alternative un peu au jour de repos, bah en fait tu pars en forêt faire de la randonnée pendant une heure. Bonjour. Et en vrai je suis trop content, hein. Parce qu'à chaque fois quand je commence, au bout de 5-10 minutes je suis au bout de ma vie. Là je dis pas que je suis super aisé, hein. Mais là ça fait quoi, il nous reste 18 minutes. Et à partir de ce moment là, bah je me sens plus ou moins bien en fait. Je sais que je peux continuer. Maintenant je suis lancé, tu vois. À voir si ça va durer, hein. Mais c'est trop bien. Voilà. Je triche pas, moi. Ouh. Bah ouais, tu les vois, les instagrammeuses là, qui font 10 secondes de story sur Instagram. Aujourd'hui, les filles, je donne tout. Une fois qu'ils ont fini leur story, elles marchent. Allez, on est à la moitié là, on est à la moitié. Hop, 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 hop. Bah, j'espère vraiment que ce concept vous plaît. Au moment où je cours, jour 2, j'ai déjà fini le montage de la vidéo avec Enzo. Elle n'est pas encore sortie sur YouTube. J'espère que vous l'accepterez et que vous la accueillerez à grands bras ouverts. Je vous fais confiance. Je voulais remercier mon monteur Mkolo. Bah ouais, les frérots, on n'a pas de monteur, nous. Ça commence à devenir dur là. Plus que 10 minutes. Par contre, au niveau du souffle, je me sens trop bien. Bah en vrai, franchement, pas dégueu. Je suis assez fier. Sans déconner, je suis pas allé au bout de ma demi-heure, mais. Il me restait quoi, 2 minutes? On est d'accord que franchement c'est pas grand chose quoi, c'est pas grave. Franchement je suis trop content. Salut tout le monde, jour 4, j'ai définitivement plus aucun flow. Je suis pas chez moi, je suis dans les Vosges, c'était pas vraiment prévu dans le programme du sport. Il pleut comme vache qui pisse, donc je suis dans la merde. Petit point alimentation et petit point sur mon programme. Hier, le jour 3, j'étais censé faire une heure de randonnée. Chose que je n'ai pas pu faire. Le jour 3 a malheureusement sauté. J'ai quand même fait les exercices de gainage. On attaque le jour 5, 45 minutes de cardio et 15 minutes de marche rapide. Mais bon, je peux alterner entre marche rapide et course, donc ça va. Allez, nous on est parti pour 45 minutes. Tiens, ça me l'a pas fait ça les deux premiers jours. J'ai un point de côté ici là. Pas là, là. Ok, 16 minutes 13. Bon, ce matin c'est difficile. Là, il me reste encore une demi-heure. Et j'ai vraiment du mal quoi. En moyenne, j'arrive à courir 3 minutes, 4 minutes. Et après je marche une minute et demie, si je suis motivé. Ouais, c'est vraiment difficile ce matin. Je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, on va essayer. J'ai commandé ça sur Amazon. Je les mettrai en description, vous savez quoi. Après, j'ai pas de lien affilié Amazon malheureusement. Mais je crois que ça m'a coûté 29 euros, 19 euros, je sais plus. Je sais plus. Évidemment, c'est le commencement, tu vois. Donc déjà, je vais essayer avec une, ce sera pas mal. Sachant que c'est
Waouh, j'ai la tête qui tourne. Oh, oh ta mère. Faudra que j'utilise, mais ça, c'est un très bon investissement. Ah ouais, elle est motivée, elle. Eh, madame, ça fait que 4 jours que je me suis remis au sport, alors t'évites de m'impressionner, hein. Je viens de voir une dame qui court, là, tu vois. Elle venait vers moi, et elle a refait demi-tour illico, d'accord? Sauf que je l'avais déjà croisée dans le village d'à côté. Elle allait pas du tout ici. Autrement dit, je pense que ça fait un bon moment qu'elle court, je ne sais pas combien de kilomètres, et elle est pas prête de s'arrêter. Elle est trop chaude. Et elle est pas toute jeune, hein. Putain. Respect. En vrai, je suis trop content et je me prends pas la tête à ce niveau-là parce que cette première semaine, c'est, je le répète, c'est la semaine cardio, enfin réveil cardio, tu vois, pour que je puisse avoir un bon cardio, que je puisse tenir mieux les exercices, pompe, bras, pour que ma respiration, tu vois ce que je veux dire, genre même là, soulever le caillou, là, les squats, etc., ce qu'on avait fait avec Enzo, quoi. Sauf que le jour 1, j'ai fait 20 minutes et j'ai réussi à les tenir. Impensable pour moi, d'accord? Une demi-heure pour le lendemain. Impensable non plus, j'ai réussi à le faire. Là, bon, tu vois le problème, j'ai arrêté un petit peu hier et avant-hier. J'ai pas fait vraiment les exercices qu'il fallait faire. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les 45 minutes sont bien plus compliquées. Mais je me prends pas la tête, c'est juste pour avoir un meilleur cardio. Et de toute façon, plus je vais faire des exercices de base, et plus j'aurai un meilleur cardio, quoi qu'il arrive. En tout cas, je vais tenir plus longtemps. Et je le remarque, hein, parce que quand je suis reparti, quand je suis parti courir, à chaque fois que je reprenais, j'arrivais à avoir un bon souffle. On va se croiser tous les matins. On casse les couilles. Putain ! Depuis que j'ai croisé le monsieur, je vais pas vous mentir, j'étais refait. Je sais pas, ça m'a donné le smile et j'ai couru, je sais pas, 10 minutes. J'arrive plus là. Franchement, je suis pas à bout de souffle. Je respire fort, j'ai couru. Normal. Je suis pas essoufflé comme à l'époque. Et j'arrive quand même pas à continuer de courir, ça me saoule. Ah non les gars, je suis trop content en fait, je suis trop content. J'étais réellement au bout de ma life. Et au fond de moi, j'étais quand même content de ce que j'avais fait. Mais là, sur le chemin du retour encore, j'ai bien couru. Au moins 10 minutes, tu vois. Mais c'était les 10 minutes de plus qu'il me fallait en fait. Et en vrai, je suis pas loin des 40 minutes de course au total. Sauf que j'ai alterné avec de la marche rapide et de la marche lente des fois, tu vois. Mais bordel, ça fait du bien, c'est ce moment de satisfaction là. Allez, à demain. Jour 6, ciao. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. Whoa, whoa, whoa.